Oui, la pandémie pour le Festival des Arts de Saint-Sauveur a été bon, difficile comme pour tout le monde, c'est sûr, dans l'événementiel. On a été obligé de tout d'annuler la première année. Mais le festival, on a vraiment été très avant-gardiste dans l'utilisation du numérique. Je pense qu'on a commencé dès avril même 2020, on a commencé à planifier des courts-métrages, puis on a utilisé le plus d'artistes possible, surtout en 2020, qui ne pouvaient pas travailler nulle part ailleurs. Puis on a fait des nouvelles créations. On avait fait une solitude partagée, qui était 10 films en collaboration avec l'Orchestre métropolitain, qui a été filmé partout ici à Saint-Sauveur. Puis je pense que ça a été un super beau succès, puis une des premières programmations numériques que les gens ont vraiment apprécié pendant l'été quand tout le monde était confiné. Je pense qu'on s'est rendu compte vraiment que les gens manquaient ça. Puis ça a continué après ça, évidemment, pendant la pandémie. On a vu beaucoup de numérique. Puis mais évidemment, la première année en présentiel, c'était éliminé. Puis l'année dernière, on a continué dans le numérique parce que c'était tellement populaire l'an dernier qu'on a fait un nouveau projet qui s'appelait En Tandem, qui a filmé dans les quatre théâtres des Laurentides, dans quatre des théâtres des Laurentides, donc Mont-Laurier, Gilles Vigneault, Théâtre du Marais et Théâtre du Seine à Sainte-Thérèse. Puis c'est encore là de la nouvelle création, travailler avec les artistes, les faire travailler, mais on a quand même réussi à être en présentiel. Donc on avait un programme hybride l'année passée. Donc tranquillement, on arrive à un festival. On a passé 2 ans à tranquillement remonter un festival à temps plein. Oui, donc c'est sûr que comme tout le monde, on a dû annuler beaucoup de choses. On a annulé évidemment 2020, on a annulé notre festival en présentiel en entier. Donc on n'avait eu aucun événement sur place, on n'a eu aucun contact avec le public, outre le numérique. C'était une année difficile, mais je pense qu'on a quand même une solitude partagée. C'était quelque chose pour nous, qu'on était un projet qui en était vraiment fier. Puis, ben, c'est quelque chose qui a fait qu'on a connecté avec un public différent aussi. On avait 200 000 visionnements de nos films. Donc, on sait que c'est beaucoup plus que les gens qu'on a habituellement en présentiel au festival. Donc, on a rejoint beaucoup, beaucoup de monde. Puis l'année dernière, ben, on a annulé, on a fait un chapiteau restreint, on a fait des événements un peu plus petits, on avait des restrictions sanitaires, donc pour la sécurité, on avait beaucoup moins de gens. Alors c'est sûr qu'on était un petit peu plus petit que ce qu'on est habituellement. Alors, quelques projets comme ça, mais bon, on a fait autre chose. Je pense qu'on a réussi à faire le pivot qu'on nous demandait de faire. Puis continuer à réussir à rejoindre les artistes avec le public. L'année dernière, c'était 144 artistes au festival, donc c'était un grand nombre d'artistes. Puis encore une fois, le numérique, on a réussi à avoir 600 000 visionnements de nos films. Donc, je pense qu'on a quand même réussi à rejoindre les gens. Je pense qu'il y a eu énormément de positifs au festival. Le festival sort finalement de la pandémie presque plus connu, plus fort. Je pense qu'on a réussi à comprendre vraiment c'était quoi notre mission encore plus, puis notre importance. Des fois, les arts, surtout au début, on se questionnait est-ce qu'on est des travailleurs essentiels finalement? Mais je pense qu'on a vu, vraiment que les artistes étaient absolument essentiels, puis que c'est vraiment nécessaire pour eux. De connecter, d'avoir une connexion avec le public. Puis l'autre chose, ben nous, une solitude partagée nous a fait gagner le prix Opus de diffuseur spécialisé de l'année. Donc même à travers la pandémie, on a réussi à produire quelque chose qui a été très apprécié, je pense. Puis justement, on a eu quelques prix. Nos films ont été sélectionnés, je pense, à 18 festivals de films internationaux. On a gagné plusieurs prix de meilleur son, meilleur film de danse. Donc je pense qu'on a réussi à produire quand même des créations artistiques vraiment importantes qui vont laisser un legs patrimonial là, finalement culturel plus pour nous. Puis le festival maintenant a un catalogue numérique de 14 films que les gens peuvent voir à l'année longue. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait jamais avant. Avant, le festival, c'est éphémère, ça commence, ça finit. Mais maintenant, à l'année longue, les gens peuvent encore voir notre catalogue de films de création. C'est sûr que l'impact a été important pour le Festival des Arts de Saint-Sauveur. Dans les arts, l'événementiel, l'impact a été, bon, c'est sûr financier, mais beaucoup plus dans la difficulté des 2 dernières années. Mais
Moi, je pense que notre avenir est encore plus prometteur. Je pense que la connexion avec le public est encore plus là qu'elle était avant. Donc, on est vraiment optimiste pour recommencer. Puis, on pense vraiment qu'on va avoir un renouveau, un retour aux arts, au présentiel, aux arts vivants. Je pense que les gens ont soif de ça. Puis, je pense que l'effet de la pandémie va faire que le futur est encore plus positif. Bien, depuis longtemps, je pense que le festival parle, rêve d'une infrastructure permanente. C'est notre 31e année cette année dans les Laurentides, à Saint-Sauveur. Je pense qu'on a développé une grande reconnaissance de notre expertise dans la danse. On est maintenant le plus grand diffuseur de danse en région au pays. On a beaucoup de rêves, on a beaucoup de conversations pour un centre des arts à Saint-Sauveur, quelque chose qui pourrait héberger le festival, mais aussi d'autres spectacles à l'année longue. C'est quelque chose de très important pour nous, puis je pense de très important pour la communauté. Puis quelque chose qui amènerait, qui ferait de Saint-Sauveur encore plus un pôle culturel dans les Laurentides, au Québec et même au pays. Alors, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est des projets long terme, mais je pense que la MRC des Pays d'en haut mérite vraiment un centre des arts, une salle de spectacle à elle-même, ce qu'on n'a pas présentement. Puis, c'est un des projets qu'on a pour l'avenir, qu'on espère qui se concrétise dans les années futures. Oui, 2022, ben comme je disais plus tôt, c'est vraiment, on a hâte de retrouver les arts vivants, puis le festival plus que tout le monde encore. Alors, on a bien hâte de retrouver tout le monde du 28 juillet, au 7 août. On va avoir encore un nouveau chapiteau, un chapiteau différent de celui de l'année dernière, avec plus de gens, plus de public possible, puis des spectacles extraordinaires. On retourne au national et international. On souhaite vraiment qu'on soit capable d'accueillir des compagnies, une compagnie d'Israël, deux compagnies des États-Unis, des compagnies extraordinaires. Alors, c'est quelque chose. On a bien hâte d'annoncer toute la programmation, ce qui va être fait au début mai, comme d'habitude. On a tellement hâte d'accueillir les gens. Je pense que le retour au Festival des Arts dans son entièreté, avec des grands groupes d'artistes, un grand nombre de publics, ça va être quelque chose. Puis, pour notre 31e année, on a bien hâte d'accueillir tout le monde.